Tyre. Taï, dans un premier temps, on l'a reçu à la porte. De la porte, il s'est dirigé avec son papa. Il l'a amené d'abord au niveau de la réception. Et il était enregistré au niveau de la réception. Et la secrétaire nous transmet le dossier de son arrivée. Et on l'a appelé dans la salle de consultation. Ousmane, où est-ce que tu as le tire? Mais il se trouve dans une situation vraiment très alarmante. Il ne se tient pas debout quand il voit ses amis, ses frères se tenir debout. Et lui, il rampe par terre. Donc c'est un enfant qui est désespéré. Téli. Voilà, c'est mais. Goudra. Voilà. Allez, carfissa. Bon, au niveau articulaire, à la hanche et aux deux genoux, c'est bon. Et la force musculaire, je crois, Yana, c'est pas mal. Donc c'est un enfant qu'on peut l'appareiller. C'est une consultation pluridisciplinaire avec un kiné qui suit moi-même et puis un technicien ortho. Voilà, merci. Donc c'est pour préparer maintenant le moyen à l'appareillage. Donc il faut bander pour diminuer un peu le volume du moyen. Je l'envoie maintenant voir un technicien ortho qui peut maintenant l'aider à prendre des mesures de son membre qui n'existe pas et lui fabriquer des prothèses. Donc pour lui, ça nécessite deux prothèses. Au niveau du centre, nous avons essentiellement deux grands départements. Il y a le département orthopédique qui s'occupe spécialement de la fabrication des appareils. Et le second département qui s'occupe uniquement de la rééducation fonctionnelle des patients, qui est le département physiothérapie. Et ces deux départements travaillent en étroite collaboration. Quand on parle de l'orthopédie, c'est, dans un premier temps, c'est là de prévenir et de corriger les déformités d'un enfant. Aujourd'hui, c'est tout un système qu'on met à la disposition des personnes vivant avec le handicap. Au niveau du centre, ce qu'on fait concrètement, c'est d'abord, on prend en charge les personnes vivant avec le handicap. Quelqu'un qui arrive avec une jambe coupée, on lui fournit une prothèse. Une prothèse, c'est un appareil qui permet au type de marcher sans aide humaine.
Nous avons comme devise le travail bien fait. Tous les patients qui arrivent chez nous, qu'ils doivent rentrer, ils vont repartir satisfaits. Nous avons également un personnel qualifié. Nous avons un personnel qualifié qui ont été formés dans des écoles orthopédiques, dans des écoles également de physiothérapie en Afrique. Bonjour, ça va? Vous avez pu finir les prothèses de Taïma? Oui, c'est prêt pour les sièges. Ah, d'accord. Voilà, on y va. Au début, il ne se sentait pas bien, il a la peur. Pour lui, il croyait qu'on voulait encore amputer sa jambe. Il a pris peur. Mais avec notre patience, on l'a calmé, dit que non, ici, on ne fait pas du mal aux gens. Pour le moment, on a essayé la jambe droite et il se tient un peu debout et commence à se déplacer un peu avec la première jambe. Donc là, on va essayer encore la seconde jambe pour voir si ça peut bien tenir. Ciao. Et voilà, dit qui est là. Ah, elle est restée, elle est Tayoli da viki kere. Ye viki da ira le le ro. Kere de ku ro kere. De ku do re viki se ga yola ra. Hey. Aha. Ani na tinga tuda. Ani me se. Nam shike. Hein, dam sha sha. Sha, la kin bishes bishes da. Ta da turu fu ga di la. Aha. Ina. Dira bishes. Ale, ine. Aha. Shifa di fi gitam. Un patient arrive, il est mis au milieu d'une équipe pluridisciplinaire qui le prend en charge. Et je pense que c'est cette équipe-là, cette prise en charge commune-là qui fait notre force et ce qui fait que le travail fourni est de meilleure qualité. C'est toute une équipe et c'est cette équipe-là, unie-là, qui fait notre force. Antini, à tout là. Depuis la création du centre jusqu'au jour d'aujourd'hui, chaque année nous enregistrons des avancées. En termes de statistiques, les prises en charge des patients ne font qu'augmenter d'une année à une autre. S'agissant du département kiné, ils reçoivent en moyenne entre 60 et 70 patients par jour. C'est bon. Est-ce que l'embouchure et la suspension sont confortables? Il faut vérifier, c'est bon. Voilà.
Kali yam shike fi gravier keda. Dan ero. Là, ces différents contrôles permettent de vérifier est-ce que l'enfant, une fois à la maison, est-ce qu'il pourra affranchir certains obstacles. Tu passes au-dessus de... Voilà, c'est bon. Donc voilà, donc là on peut déjà terminer la prothèse. Donc il n'y a pas de problème d'abrasion, le moyen c'est bon, tout est bon. Voilà, après ces différents contrôles, pour la prothèse peut être envoyée en finition. Donc là, ici... Ça c'est d'abord. Dene shilo rijila na tayira da rafa na da bigir ajil kalas mabe boja tulo na kulu sawa eh ma inda mishkila don Le département orthopédique qui s'occupe spécialement dans la fabrication des appareils fabrique en moyenne 30 prothèses par mois, à peu près également une vingtaine de orthèses également par mois, une centaine de béquilles par mois également. Donc on va faire la livraison de taille. Oui, le papa. Ça va bien. Il y a des gars qui veulent que la tête de la bouteille correspond. Allez, allez. Voilà. Ça, c'est moi, ça, madame.